Vous oubliez, Mikhailov, que je suis encore amiral de la marine russe et que vous me devez le respect. Je vous ai grassement payé pour avoir ce sous-marin, donc vous travaillez pour moi et vous suivrez mes ordres sans discuter. Je suis obligé de traiter avec des gens comme vous pour nourrir mes hommes, mais je ne suis pas l'un de vos amis. Calmez-vous, mon cher. Nous sommes embarqués dans la même galère. Je hais la mafia. Marochef, maniez-vous avec cette caisse. Le nouvel état-major exige plus d'efficacité. C'est bon, tous à bord et fermez les écoutilles. Étant du nouvel état-major, ne devrais-je pas monter à bord avant l'amiral? Ugh!
Adorable. Léonide, voulez-vous escorter mademoiselle jusqu'aux messes? Vous êtes en mission? Mais vous n'avez aucune idée de ce que la mafia recherche. N'est-ce pas, amiral? Jeune femme, je me fiche de qui vous êtes et de ce que vous avez à dire. Si je commandais ce navire, il en irait peut-être autrement, mais malheureusement, la situation actuelle, je ne fais qu'obéir aux ordres. Alors si vous voulez bien vous tenir tranquille et avancer comme une bonne petite fille... Three.
voilà devant l'épave du U-boat. Et maintenant, allons voir si la cargaison est intacte. Que vos plongeurs se préparent. Allez-vous nous dire ce que nous devons rechercher? Assez pour que vous puissiez le trouver, oui. Mais votre esprit trop étroit ne vous permettrait pas de comprendre. Mon esprit est peut-être trop étroit, mais peut-être pas celui de l'espion que nous avons découvert à bord. Un espion? Vous l'avez éliminé? Pas un, une. Non, nous sommes forcés de traiter avec des rapaces comme vous, mais nous ne tuons pas les gens sans un procès équitable. Idiot! Je m'en occuperai dès mon retour. Amenez le sous-marin en position. Et vite, camarade! Donnez 5 degrés à l'arrière. Garde la puissance, puis faites l'arrêt complet. À toutes les équipes de plongeurs, tous à vos postes immédiatement!
No. No. No.
Thank you.
passagers clandestins. Je crains de devoir vous déposséder de votre trouvaille, ma petite. Pour réaliser votre rêve d'un monde en paix, j'imagine. Un monde en paix? Vous ne pourriez pas vous tromper davantage. Cette relique renferme un pouvoir indescriptible. Un pouvoir que vous ne pourriez maîtriser. Si vous la voulez, je vous la donne, mais vous le regretterez. Le monde le regrettera. Donnez-la-moi et je vous épargnerai. Peut-être. Puisque c'est ce que vous voulez. Menez-la jusqu'à la chambre des torpilles et éjectez-la dans l'océan. Sergueï, écoutez-moi. Vous n'avez pas idée de ce qui est en jeu.
Lorsque le navire touchera le fond de l'océan, il sera trop tard. Nous devons faire vite.
percer et nous allons couler. Sauvez-vous avec l'oxygène. Allez. Pas sans vous. Je suis l'amiral Yarofev de la marine impériale russe. J'ai servi ma patrie pendant de nombreuses années, mais le pays que j'ai connu s'écroule. Il va s'endormir de son dernier sommeil, et je partagerai ce destin sur ce navire qui m'est si cher. Pas question. Si question. Le sas extérieur ne peut être ouvert que de l'intérieur du navire. Mon enfant, ceci est le cadeau que je vous offre. Je vous permets de quitter ce navire en perdition. Et moi, qu'ai-je à vous offrir ? Vous raconterez mon histoire. Rapportez la façon dont les valeureux hommes de la marine soviétique ont combattu l'ennemi et sacrifié leur vie pour l'honneur de leur patrie. Je vous le promets. Allez, vite dans le sas et je vous libérerai. Adieu. Au revoir, amiral. A compris la puissance de la relique et su qu'il fallait la tenir loin de ceux qui souhaitaient l'employer à mauvais escient. Mais elle ne l'a pas détruite. Certains pouvoirs dépassent l'entendement humain. Par Saint Patrick, pardonnez-moi. Il semble qu'il y ait quelqu'un là-haut qui a le sens de l'humour. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je vais chercher des bougies. Quelle nuit infernale. Et lorsque les cavaliers parcouraient le monde, les cieux eux-mêmes grondaient dans leur sillage. Ah, la beauté des textes religieux. Cette nuit me rappelle le temps passé à Konussi. Chez Winston ? Oui, en effet. Les employés étaient partis à cause des inondations. Lara, qui n'était alors qu'une gamine, était restée avec Winston et sa femme. En fait, c'est elle qui m'avait contacté pour des problèmes sur une des îles, des lumières étranges, des manifestations surnaturelles, ce genre de choses. Pensant que je pourrais l'aider, c'est par une nuit tourmentée telle que celle-ci que je me suis présenté chez elle. Bonsoir, Winston. En quoi puis-je vous être utile par cette nuit infernale ? Alors, il paraît que des gens ont été témoins d'apparitions sur l'île. Tout le village en parle. Je fais tout ce que je peux pour préserver Lara de ses commérages. Oui, voilà qui est sage. En effet, il n'est pas très raisonnable qu'elle aille se promener là-bas toute seule. Savez-vous de quoi il peut s'agir ? Aucune idée, pour être franc. Mais je ne peux pas rester là les bras ballants. Je me suis entretenu avec le père Finnegan et je dispose d'un bateau affrété pour la traversée qui lèvera l'ancre dans la nuit. Vous n'avez vraiment pas choisi le bon jour, mon ami. Ma foi me protège, Winston. Faites attention, je crains que sur cette île, ce ne soit précisément ce que vous ne pouvez voir qui risque de vous atteindre. Il est temps d'en avoir le cœur net, mon ami.
Ouh,